Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'entendez, cette douce mélodie qui ronronne au loin dans les champs. Et oui, on est le 29 août et c'est déjà le top départ pour les ensilages de maïs ici dans la région. C'est juste incroyable. Voilà, je pense qu'on n'a jamais ensilé au mois d'août encore ici dans la Manche. Et bon, bah, cette année, c'est tellement sec et que le maïs est déjà mûr. Bah, il n'y a pas le choix, quoi. Faut y aller. Et donc, cette semaine, au programme, on ne va pas aller en silé comme d'habitude. On ne va pas aller avec le 7720. Mais moi, je vais aller dans les ensileuses. Je vais aller auprès des chauffeurs. On va aller discuter avec eux. Et puis, on va découvrir une belle entreprise, le TA Gondouin, que vous commencez sûrement à connaître puisqu'ils interviennent régulièrement à la ferme. Et puis, on va parler surtout de leur bécane, quoi. Ils ont une Jaguar 990, une Jaguar 970 équipée des nouveaux becs classe. Voilà, c'est juste monstrueux. Donc, si vous êtes prêts, et bah suivez-moi pour cette nouvelle vidéo avec moi aux ensilages. Let's go! Arrivé en cabine avec Simon Gondouin. Simon, ça va? Ça va, ça va, ça va. Bon, ça, c'est parti pour les ensilages. Eh ben oui, ça y est, c'est parti à fond. Et du coup, c'est parti pour à peu près une période de combien de temps? Bon, un petit un mois. Un mois, ouais. On a 2000 hectares à passer. D'accord. Simon, donc responsable de l'ETA Gondouin, que vous connaissez sur la chaîne parce qu'ils interviennent aussi à la ferme. Est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement l'entreprise? C'est une entreprise qu'on a créée, on a fêté nos 10 ans au mois de mars. Ouais. On a fait une porte ouverte. D'ailleurs, j'y étais. Voilà. on avait créé l'entreprise donc, avec mon père. On avait repris deux petites entreprises. Qui avait de l'ensilage, des ensileuses, et une autre qui faisait du pressage semi de maïs. D'accord. Et commerce de paille. Et du coup, on a,
dire du semis à la récolte. De tout, ouais. Vous faites aussi l'ensilage de paille, voilà. Avec la presse qui est un peu spécifique. Voilà, c'est ça. Que vous avez déjà vu aussi sur la chaîne d'ailleurs. Après, on fait tout abattage. Abattage, on a 5 batteuses, en ensileuse, on en a 5 aussi. Ouais. Voilà, il n'y en a que 4 qui sont montés au maïs, il y en a toujours qui restent à l'herbe. Ouais, au cas où. Cette année, c'est tellement sec qu'elle ne va pas beaucoup tourner pendant les ensilages de maïs. Ouais, mais c'est possible que vous interveniez, enfin voilà. Vous alliez ensiler là, on va dire la semaine prochaine, chez un client. Parce que hier, ton frère me disait qu'il avait une prestation de fauche chez un client pour de la luzerne aussi. Voilà, c'est ça, ouais, de la luzerne et puis du trèfle aussi. Donc c'est les espèces qu'on va dire qui résistent à la chaleur. Voilà. Moi je m'occupe beaucoup de la partie administrative de l'entreprise. D'accord. Et qu'en période d'ensilage, je fais des ensileuses et le semis de maïs, c'est moi qui sème. Qui gère. C'est plus de 400 hectares. D'accord. Et autrement, moi, je suis plus partie administrative. Ouais, de toute façon, l'administration, ouais, on a besoin et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ah, surtout quand. Voilà, à peu près, vous avez à peu près combien de clients dans l'entreprise? À peu près 300 clients, à peu près. Après, forcément, ils ne sont pas tous clients dans ce village de battage. Oui, oui. Parce qu'on fait du terrassement aussi, donc des aménagements de maisons. D'entreprise. Voilà. Ouais, donc il y a vraiment un panel de choix important au niveau prestation. Voilà. Et vous pouvez répondre vraiment à quasiment toutes les demandes aujourd'hui. Bah voilà. Alors hier j'étais avec Thomas pour découvrir la Jaguar 990, donc la machine qui vient d'arriver dans l'entreprise. Voilà. Donc là aujourd'hui on va dire je suis avec la petite sœur, on est dans la 970. Donc ça c'est les deux machines principales qui vont tourner au maïs cette année. Bah, c'est les deux machines de tête. Ouais. Celles qui sortent en premier et qui font le plus d'hectares. Si les plus grosses journées c'est eux qui vont les faire. D'accord. Bon, après il y en a deux autres qui sont là. Qui tourne aussi à fond, mais c'est celle qui part en seconde. D'accord. Ouais, c'est quand si par exemple une A3 qui veut lancer le même jour, s'il y a 4 clients qui veulent lancer le même jour, vous pouvez répondre à la demande. Et du coup, sur les 990, vous avez les nouveaux becs en vis là. Voilà. Et du coup, les nouveaux becs, qu'est-ce qu'ils apportent en plus par rapport à ceux précédents? Une meilleure fauche au sol. D'accord. Beaucoup plus propre. L'alimentation de la machine est beaucoup plus régulière. On a moins de coups dans l'ensilage à cause du bec. Ce qui est important pour les butyriques. Voilà, c'est ça. Là, on est équipé aussi avec les bâches de protection intégrale automatique. Ouais. Sur la route, on est plus en sécurité. Ouais, c'est ça, c'est C'est vrai qu'une rapidité de dépliage et repliage, c'est beaucoup mieux que les anciens. Ouais, surtout qu'ici dans la Manche, on a beaucoup de parcelles, on va dire, si on ensile 30 hectares à la journée, on est vite amené à faire, dire 20 parcelles, mais on va dire une quinzaine. Ouais. Donc c'est vrai que c'est l'avantage du bocage normand, on va dire. Donc ça c'est par rapport au bec et sinon aussi sur les machines il y a un nouvel éclateur je crois. Ouais, le MCC Max, donc 100% de grain pulvérisé. D'accord. C'est vrai que on l'a testé vraiment que là cette année, on n'est qu'au début, mais ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Pour l'instant les premiers tours sont très bons. Ouais, parce que hier on a fait un peu quand il y a du maïs au sol, on peut visualiser le grain, comment il est. Et puis l'avantage aussi, c'est que s'il y a des tiges, on va dire s'il y a de la pyrale ou quoi, la plante est vraiment bien coupée jusqu'au bout. Quoi. Voilà, et puis comme est fait l'éclateur, il peut recouper en deux fois. Quoi. Voilà, quand il a un pied qui rentre un peu en travers, l'éclateur va le recouper aussi derrière. D'accord. Donc ça permet de jamais avoir de coups dans l'ensilage. Donc ça permet d'avoir vraiment un ensilage propre. Et puis ce qui est important aussi quand on est, on va dire, éleveur laitier derrière, pour pouvoir faire du lait de qualité, avoir un maïs, un fourrage de qualité, c'est l'essentiel. Surtout que la part de maïs ensilage maintenant dans les rations est quand même assez importante.
Et du coup, l'éclateur, juste pour vous dire, donc c'est la, on va dire, la partie vraiment essentielle de la machine. C'est la plus importante. C'est celle qui, bah, qui permet de couper, de broyer. Et de mieux valoriser le fourrage. Voilà. En plus sur les machines, donc maintenant tu as des, voilà, tu as aussi l'option, on va dire, de la culotte qui remplit automatiquement les remorques. Voilà, c'est ça, en détourage sur le côté là-bas. Donc ça, c'est une option que vous avez pris récemment sur les machines. Voilà, qui est, enfin, on avait déjà sur le côté, mais là en détourage, c'est les premières. Ouais. C'est la première fois qu'on a ça. Ouais, bon, pour l'instant, ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne, peut-être encore quelques petites améliorations, mais c'est pas trop mal. Et donc l'objectif, on va dire, de cette option-là, c'est pour améliorer le confort du chauffeur. Ouais, et puis bah, on a, c'est vrai qu'on a des chantiers toujours de plus en plus longs, alors bah, la fatigue, elle se fait vite sentir en fin de saison, donc bah, quand on n'a pas déjà la goulotte à gérer au premier tour, c'est... Ouais, c'est un confort de... Ouais, et puis ça permet de vraiment garder, on va dire, les yeux rivés sur ce qui se passe devant. Sur ce qui se passe devant, s'il n'y a pas une souche qui dépasse. Si... Ouais, voilà. Ça permet de, on va dire, d'améliorer de la sécurité, quoi. La confort de conduite. Et donc en moyenne, ouais, tu fais à peu près 30 hectares par jour. Ouais, 30-35, ouais. Ouais, dans les bonnes journées, quoi. Ouais, dans les bonnes journées, 35 hectares. Et donc une journée, on va dire, type à l'ensilage, donc tu commences à peu près à quelle heure le matin? 7h, voilà, 7h le matin. À ensiler ou tu pars de l'entreprise? On part de l'entreprise, bah, ça dépend ouais, des kilomètres qu'il y a à effectuer. Donc le matin, vous arrivez, la machine elle est prête, ah, prête oui, à faire feu. On fait toujours l'entretien le soir, si on fait toujours le tour. Le tour de la machine pour voir s'il y a pas un bruit, un ronflement, quelque chose. Bon, maintenant les ensileuses sont quand même beaucoup plus connectées. Ouais, beaucoup plus performantes et plus. Ouais, peut-être que ouais, avec les automatismes et tout, on arrive à trouver les pannes, on va dire, avant qu'il y ait la grosse panne, quoi. C'est ça. Et donc fin de journée, donc ça se finit aller vers 18-19h, 20h. Ouais, voilà. 9h et puis bah, on fait l'entretien le soir, on a pour une bonne heure et demie à peu près tous les soirs d'entretien. Enfin, on va faire le tour. Bon, après on pourrait ne rien faire mais ça ne durerait pas long. Ouais, c'est ça le problème. Et du coup en entretien c'est quoi? C'est vérification de, on va dire, globale de la machine. Voilà, bah, soufflerie peut-être. Il y a des points de graissage qui sont progressés par les graisseurs, le graissage automatique. D'accord, ouais. Voilà, puis bah, deux fois dans la semaine on ouvre toujours le rotor pour contrôler les couteaux, l'état des couteaux, et on recule les écarteurs pour regarder s'ils sont bien toujours à la bonne distance, même si c'est marqué dans la cabine qu'ils sont. Ouais. On contrôle. Ouais, vous avez toujours votre regard, on va dire, extérieur. Vous faites confiance à la machine, mais derrière vous recontrôlez vous-même la machine, on va dire, globalement, pour être sûr que voilà, quand faut enciler, ça y va. Quoi. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de surprise. J'essaye de faire le boulot le plus propre possible. Ce qui est important. Et peut-être dernière question, comment tu vois un peu, on va dire, l'avenir des élevages, on va dire laitiers, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est une zone quand même assez laitière. Ah, nous, on est une zone laitière, mais ça nous fait quand même peur. On voit beaucoup pas mal de fermes qui arrêtent le lait. Ouais. Et même des grosses exploitations quand même. Et ça c'est pas trop rassurant. Ouais, aujourd'hui globalement les exploitations elles partent à agrandissement. Ça part à agrandissement et puis il y a beaucoup de enfin, il y en a quand même pas mal qui arrêtent le lait quoi. Donc ils se tournent vers des céréales. Ça, voilà, ils se tournent sur des céréales. Et du coup dans nous bah, pour l'entreprise c'est ingérable parce que par rapport aux investissements, c'est pas facile à suivre. Ouais. On a une machine comme celle-là qui coûte quasiment 500 000 euros. Il faut des hectares en face pour pouvoir la maintenir. Ouais, bah, ce qui est logique. Est-ce que ton frère me disait hier, comme la machine hier, donc elle a été achetée en 2020, je crois, la commande a été passée en 2020. Ouais. Et si vous la preniez, on va dire, vous passiez la commande cette année, c'était 80 000 euros de plus sur la facture. À peu près 80 000, ouais. Sur une seule ancieuse. Donc ouais, la différence est énorme. Et... Le
le coût de matériel a énormément augmenté là. Donc, ah, depuis 2-3 ans, voilà, depuis le Covid. Depuis le Covid et puis la guerre quoi, l'Ukraine. Ouais. Ça a fait flamber les prix des matériels, des pièces et tout ça. Et nous derrière pour gérer, c'est pour compliqué. Gérer même les coûts d'ensilage et tout ça, essayer de garder au mieux nos coûts qu'on avait avant, bah, c'est très compliqué. Ouais. C'est vrai qu'avec l'inflation, le prix du fuel aussi qui était problématique quand même là pendant. Depuis le printemps. Quoi. Voilà, depuis le printemps, c'est compliqué. Bon bah Simon, je te souhaite en tout cas bonne saison d'ensilage. Merci. Merci à toi et puis à Thomas voilà, de nous faire monter dans vos machines et de les faire découvrir un peu à la communauté. Et bah, je vous dis à la prochaine. Ok, salut. Sur le fonctionnement de l'entreprise Gondouin. Merci à Thomas et Simon de leur accueil dans les machines. Merci aussi d'avoir présenté leur monstrueuse machine, on va dire. Merci aussi à Jean et Baptiste, mais aussi à Martin pour leur accueil sur les exploitations, pour pouvoir filmer ces beaux chantiers. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Partagez, likez, abonnez-vous et à la semaine prochaine. Ciao !